À la mise en service de la phase 1, le train express régional Dakar-Jamnajo transportera jusqu'à 115 000 passagers par jour et desservira 13 gares et haltes entre la banlieue de Dakar et la nouvelle ville de Jamnajo, et ce, avec une fréquence d'un train toutes les 10 minutes et une vitesse de pointe de 160 km/h. Tout va donc aller vite. Le système de billetterie va également suivre la logique. Il s'agit d'un système de pointe efficace et intelligent. L'expérience avec ces deux passagers. Avant d'accéder à un train, il est impératif d'avoir un titre de voyage valable. Cet achat peut être effectué en gare sur les bornes terres ou par abonnement. Le paiement est possible en espèces ou par carte bancaire. Et pour s'adapter au contexte local, tous les moyens de paiement électronique tels que Orange Money, Free Money, Wave, entre autres, sont intégrés dans le système billettique du TER. Il existe aussi un canal de vente à distance via une application mobile gratuitement téléchargeable. Dans ce cas, le voyageur reçoit immédiatement son ticket QR code sur son smartphone. Une fois la carte validée et reconnue par le système, le gate s'ouvre automatiquement et laisse passer le passager. Cependant, il n'y a pas possibilité d'utiliser le même billet deux fois de suite. À bord, les voyageurs bénéficient d'un confort maximal, des prises électriques, la Wi-Fi, la climatisation, entre autres. Le voyageur peut être contrôlé à tout moment. Avant l'accès ou à la descente du train, ou en passant par des portes d'embarquement en gare, mais aussi tout au long de son voyage. Ce passager qui a quitté Dakar avec un ticket pour Pékin a prolongé jusqu'à Rufisque. On contrôle de routine la débusque. Le résultat du PDC, le portable de contrôle, est confirmé au niveau du gate. Le billet est automatiquement refusé de sortir à la gare de Rufisque. Avec un tel niveau de sécurité, la fraude ne sera point tolérée. Un engagement pour lutter contre la tricherie et garantir un système de transport équitable qui assure un voyage serein.